Bonjour et bienvenue pour l'épisode sur les orques. On reprend là où on en était au moment où on est en train d'augmenter nos unités. Oui. On se prépare à se défendre. Et donc l'objectif de la mission, je l'ai oublié. Il faut que je regarde, attendez. Construire une forteresse en châtaignage sur l'île située dans la baie de Tyr. C'est-à-dire. Encore un destroyer. Alors c'est très classe. Donc on a vu aussi les ogres mages. Non. D'ailleurs leur... voilà. L'hôtel de l'orage, comme on avait vu, qui est dans l'hôtel des tempêtes. Ne vous y méprenez pas, on vous ment, on vous spolie. C'est n'importe quoi. Alors évidemment là je suis un peu au taquet parce que je viens de tourner celui des humains où il y avait beaucoup de choses à dire. Là il y a moins de choses à dire, c'est juste la fuite de Gul'dan vers... la tombe de Sargeras pour plus de pouvoir, donc on va partir un peu en scouting. En laissant nos unités faire leur boulot, vivre leur vie, etc. Donc on avance, on explore ces mers sombres. Donc là c'est un assaut sur Kul'Tiras de ce que je comprends. Non, la baie de Tyr. La baie de Tyr, alors je vois pas du tout où c'est dans War, il y a des noms qui ont été utilisés qui sont plus utilisés après. Donc ça c'est dur de tout situer aussi. Donc c'est pour ça que comme j'ai dit sur la vidéo sur les humains également, je vous conseille les excellents livres qui vous donneront plus de... qui vous donneront des suppléments sur l'histoire. Des suppléments inégalables et inégalés. Donc voilà, là ils viennent de prendre cher dans leur figure. Boum, voilà, dégage. Moi aussi je viens de prendre cher. Que faire d'autre? Parce que là on a nos ogres. Hop, plus de ça. Reconstruis-nous encore des... Il y a trop de choses à faire. Tac, évidemment on améliore tout. Ça. Bientôt. Évidemment toujours avec un peu des baisses de FPS, des moments où le jeu nous lâche un peu. Le moment où le jeu nous rappelle que, après tout, c'est quand même un vieux jeu. Hop. C'est bon, tu peux y retourner. Donc vous deux, vous allez partir en scouting. Faire une petite sauvegarde. Hop. Donc là, c'est les événements où Gul'dan s'enfuit après avoir trahi la Horde, alors que Dieu, au Grim Marteau du Destin, je veux dire, lance un assaut sur Lordaeron, donc la capitale des humains. Et donc, cette trahison va avoir des répercussions graves sur le cours de cette guerre. Alors, pour les fans de l'Alliance, pas vraiment, tant mieux même, d'ailleurs. Parce que sans ça, l'Alliance n'aurait pas gagné. Comme quoi, pour que l'Alliance gagne, il faut que ça triche. Alors avant que vous enragiez, je suis Allianceux. Enfin, j'ai plus de personnages de l'Alliance qu'autre chose. D'accord. Je vois le genre. Comment dire, je vous envoie tellement de bateaux dans la figure que vous n'allez rien comprendre, les gars. Hop. Tiens, toi, on va t'envoyer en mission suicide là au fin fond. Au fin fond de la carte. Toi, dès que t'es prêt, de l'or aussi. Alors en vrai ce sont pas les ogres qui ont donné ces bateaux là, mais ce sont les trolls qui ont fourni ces bateaux là aux orques. Parce que évidemment sur Draenor, alors il y avait de l'eau avant, mais bizarrement il y en a plus trop eu quand les énergies démoniaques ont ravagé un peu leur monde. Donc voilà, et même faire traverser des bateaux par la porte de Ténam n'avait vraiment aucune utilité. Ah non, j'avais espéré qu'il puisse tirer au moins une fois avant de mourir, mais apparemment non. Apparemment pas du tout. Apparemment il a été deny. On lui a dit tu ne passeras pas. Il n'est pas passé effectivement.
Dégagez de mon île. Car moi j'utilise pas trop les sorts parce que malheureusement. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites là les gars? Vous êtes perdus? Boum boum. Esquive! Boum! Et boum dans les chicots! Bon, il a pu faire. Lui au moins il a pu faire un tir avant de mourir. Donc de nouveau un mastodonte. On améliore encore ça. On veut plus de bois, il n'y en a pas assez là. Je veux rien savoir, vous mourrez souvent et ben, c'est les risques du métier. Que voulez-vous? Alors qu'est-ce qu'il dit? Ouais, je viens de réfléchir, le scouting je peux le faire avec ça moi. Mais je suis débile. Ah, ah vous ne mourrez pas. Gotta go fast. Gotta go fast, too fast, too fast, too fast, too fast for you. Aïe, si quand même. Ok. Ok, ok, donc si on veut s'en sortir, il va falloir de l'équipement au niveau du navire. Ok, ok, donc il va devoir falloir quand même un armada naval immense. Immense. Hop, plus de ça, il va se faire des grunts, va nous faire plein de choses. Hop. Un maximum de mastodontes. Quoi? Alors, comme d'habitude, la technique chez les orques, beaucoup d'unités. Et bon, comme vous aurez pu, comme vous pourrez le remarquer, mes épisodes du côté de l'Alliance se sont très bien passés. Également. Quand je dis sont très bien passés, c'est-à-dire que je les ai complètement écrasés. Surtout sur une des missions, vous verrez. On n'a plus d'or! Enfer et damnation. Un bateau de transport, et vite! On n'a plus d'or, c'est la merde. C'est la merde. Oh, c'est la merde, c'est la merde. Pas tant que ça non plus. Pas assez de pétrole. D'accord, d'accord, je vois le genre. Vous, du bois, il y en a là-bas. Ok les gars, nouvelle île, nouvelle vie. Et vous gênez tous. Est-ce que ça prend du temps? Ça a l'air. Donc on va attendre le quatrième vaisseau et on va faire des attaques sur les côtes de l'Alliance. Donc là je parle pas trop d'histoire parce qu'il n'y a pas grand chose à dire comme j'ai dit. Donc ça va être vraiment plus... D'ailleurs attendez, on va renvoyer un petit œil. Oui, là. Alors un vaisseau, deux vaisseaux. Un sous-marin, deux sous-marins. Ah ouais, après il se vide rapidement en fait. Donc c'est parti, on va attaquer les côtes en attaquant ce petit vaisseau. Donc c'est parti maintenant, de l'or. De l'or, des montagnes d'or.
Alors là par contre, on a le fleuron de l'armada de la Horde. Attention, un tir. Un deux tirs. Un trois tirs. Ah, il y a un paladin qui a essayé de sauver tant bien que mal son ami. Ah, est-ce qu'on peut tirer sur ça? Oui, c'est bon. Détruit une ferme, c'est toujours ça de gagner. Est-ce que toi tu peux tirer sur celle-ci? Non. Alors par contre là on gagne beaucoup d'argent et je n'en fais rien. C'est terrible. C'est terrible, donc du coup on va refaire encore un mastodonte qu'on va leur envoyer en soutien. Et là par contre on va spammer un peu plus des orques de base. Parce que ça demande pas de bois, au moins. Et le bois c'est pareil, je vais commencer à en manquer là sinon. Donc toi tu vas te mettre là à attendre aussi. Tu seras en réserve. Donc évidemment comme d'habitude technique orc, on prépare le terrain puis on envoie l'armada entier. Ah c'est bien qu'on t'ait laissé là toi. D'ailleurs vous allez revenir aider quand même puisque là ils sont à deux contre lui. Et je rappelle, gros défaut du mastodonte, c'est qu'il met 5 ans à tirer. Il a coulé mon mastodonte. Il a coulé mon mastodonte. Ah, le coquin. Le coquinou, le coquin. Alors je suis curieux, est-ce que maintenant on peut avoir aussi nos... Est-ce qu'on a une... Est-ce que nous aussi on a le droit à un sous-marin ou un truc du genre? Ce serait cool. Hop. Parce que si on peut avoir des sous-marins, je veux bien, parce que ça a l'air super pété comme unité. Parce que c'est cool les mastodontes, ça fait des gros tirs, etc. Ça défonce les bateaux humains qui sont fragiles, etc. Mais c'est quand même dommage. Alors, on peut faire ça, ok. Et on n'a toujours pas le droit à un sous-marin. C'est dommage quand même. Pas assez de nourriture. Voyez-vous cela. Qui a oublié de construire ses fermes? Ne serait-ce pas toi, petit orc? Toi qui travailles pour un salaire de misère, c'est-à-dire pas du tout. Donc on va attaquer déjà un peu avec ce qu'on a là. Tac, 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 on avance tranquillement. Hop. Tirez tous un peu. Pareil pour ça. Bim, 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 bim. Détruisez ça d'abord. Voilà, maintenant acharnez-vous sur cette pauvre bâtisse qui n'a rien demandé. Ensuite, vous tirez sur le paladin. Feu sur lui. Toute unité qui est un peu trop près du bord, vous tirez dessus. T'as les tirs de précision qui me font ces bateaux. Est-ce que vous pouvez tirer sur ce bâtiment toujours ou pas? Ouais, bon on va attendre, écoutez. La patience est une vertu à ne pas sous-estimer. D'abord, niquez-moi ça. Niquez-moi le paladin. On a limité les pertes. Hop. Plus de mastodontes. Plus d'ogres. Ça prend du temps, hein. En attendant le reste. Allez, casser cette tour.
Voilà, détruisez-moi ça, hein, y a pas de raison. Ça, vous me détruisez aussi. Ah, on ne peut pas. Alors évidemment, on s'invite un peu dans leur terre. On fait une petite incursion. On se paye une petite incursion gratis dans leur terre. Ouais. Qui m'a tiré dessus? Qui a tiré? C'est donc toi, tiens, beurre. Aïe. Allez, tirez dessus. Là, c'est bien, on clean bien. On va pouvoir bientôt passer à la phase à l'attaque, tout le monde. Détruisez-moi ces putains d'humains. Alors si tu pouvais tirer sur ce bâtiment qui se fait réparer. Donc maintenant amusez-vous à tout détruire. Surtout les paladins. Alors vous deux, allez rejoindre les festivités là-bas. Et on va voir encore plein de monde. Soignez les gens. Il y a un petit sapin, c'est mignon. Ah c'est mignon, ils ont mis un petit sapin. Ils ont pensé que ça les sauverait. Quel dommage. Soignez-les un peu. J'ai besoin de soins. Allez, tirez-moi sur cet imbécile. On va avancer. Pareil toujours, on détruit toutes les unités qu'on croise. Bâtiment. Est-ce qu'on peut lui tirer dessus? Non. Ah là là. Ce défilé de la mort. Encore un tir. Fais un dernier tir avant de mourir. Voilà. Donc là on prépare déjà la nouvelle vague. Toi tu vas me finir cette tourelle. Là ça va, j'ai l'impression qu'on a quand même bien préparé le terrain. Des tourelles en moins. Alors pourquoi t'elle fait ça? Je lui indique sa cible, je lui indique sa... Mais attaque-moi ça! Mais... Tu attaques ça? Ça, là tu vois la tour qui tire dessus? Voilà! On a du mal là! Voilà. Voilà. Alors là on va faire unité mastodonte. D'ailleurs ça me fait penser que... toi ici va construire un autre chantier naval ici. Bon lui il bombarde. Maintenant on va pouvoir aller le sacrifier, hein, il sert plus à rien. En espérant qu'il puisse la détruire avant de mourir. Ah bien sûr que non, sinon c'est pas drôle ce jeu. Allez, cette vidéo va être assez courte je pense, par rapport à l'autre, qui doit bien faire une quarantaine de minutes. Et oui, 40 minutes. En même temps c'est pas ma faute. Attendez, le fil de la souris qui me gêne. Hop. Donc voilà. Qui je dois être ?
T'as bientôt fini? Non. Hop, on va faire une unité comme ça, plus une unité. Enfin, quand j'entends une unité, c'est une formation plutôt. Allez, tu peux retourner au boulot. Ah! Ah, c'est triste! Ah, c'est triste pour vous là. Ouais, mais ce qui est triste, moi, c'est que j'en avoir besoin de ce bois. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener déjà un petit groupe comme ça là-bas. Accompagné de deux. Ah, par contre, oui, tirer sur ça quand même. Pareil, on a fini le pétrole. Bah, vous avez foré cet endroit. Oula. Ah merde. Tu es en train de me dire qu'on a un sous-marin qui nous attaque. Alors, pouvez-vous aller gentiment défoncer ces sous-marins? Putain, ça c'est chiant par contre qu'il faille. Et bim! Chouette! Je peux jeter ce mastodon là, il sert plus à rien. Les elfes et les trolls qui se regardent de travers en... Ah, tu vas voir, je vais t'avoir. Alors toi, avant de faire quelques bêtises qu'il soit. Ok, c'est bon. On va pouvoir déposer quelques unités. On va refaire un bateau de transport en fait. Voilà, allez-y, faites-vous plaisir. Et on va prendre tous les gentils PO qu'on a là. Qui vont construire une base ici qui va alimenter le tout en bois. C'est génial. Mon plan est génial. Il est parfait. Pareil pour vous, allez rejoindre pour préparer la place. Et après on va remonter et on va finir cet épisode. C'est déjà fini. Tu te fous de moi. Les gisements de pétrole qui ne me respectent pas. Voilà, il a été détruit. J'espère qu'il me reste quand même assez de bois. Oui, capitaine. Toi, tu vas rester là pour défendre juste ce bateau. Oui, capitaine. Vous, comme j'ai dit, vous allez rejoindre l'offensive. J'ai dit, vous allez rejoindre l'offensive. Pas vous allez descendre du bateau. Ah, fuyez pas vous. Ne fuyez pas vos responsabilités. Donc toi, c'est bon. Bon, on va quoi, juste construire une série. On n'a pas besoin de plus. Hop. La série est-elle bientôt finie? Oui, en effet. C'est bon. Oui, capitaine,
Toi, tu vas aider de nouveau. Vous, on vous débarque. Et vous, vous allez avancer un peu et faire du dégât. Hein. Après tout, on va faire une petite sauvegarde. Non. Avant d'attaquer, bon, déjà, on va refaire un mastodon. Ainsi qu'un petit vaisseau comme ça, si on peut. Voilà, on peut. Et en plus de ça, on va se faire ça. Ça qui va être l'indispensable contre les sous-marins en tout genre. Donc voilà. Là, on a nos ressources de bois qui vont remonter. Et nous, pendant ce temps-là, on va avancer un peu et faire du dégât sur les rangs humains. En mode, on est là, on casse tout, on pille tout, on est des orques. Formation terminée, je suppose. Formation terminée, je suppose. Formation terminée, je suppose. On va laisser, hop, ça. Non! Sans le bateau de rapport. Voilà. Allez, on y va, attention. On avance doucement. Doucement. Tirez dessus! Finissez-les! Ouais, faut surtout attaquer ça en fait. Ah, descendez-moi ça maintenant. Nous évidemment on avance toujours, on fait le petit brin de chemin du côté de... Ah bah tiens. Ah bonjour. Ne faites pas attention à nous, nobles paysans. Nous ne faisons que passer, mes amis et moi. Nous occupons juste de détruire vos bâtiments et nous partirons, je vous le promets. PS, nous les orques, nous mentons souvent. Allez, on fonce, on va finir cet épisode. On va réussir à finir l'épisode, oh mon dieu. J'ai démontré la puissance navale de la Horde, ce qui n'était pas du tout le cas dans les livres, parce que, évidemment, nos bateaux sont faits avec de la bouse, on n'a aucun bon pilote. Donc je suppose que c'est sur cette île qu'il faut construire. D'ailleurs, peux-tu survoler au-dessus pour... Voilà, faut arriver là. Sauf qu'évidemment, comme je suis joueur, on va tout détruire d'abord. On va tout détruire parce que voilà. Parce que je veux. Attention, on s'approche. On s'approche, on n'attaque pas. Et attention. Et il a gâché toute la surprise. Ah, t'as essayé de le soigner. Eh, mais ça n'a pas marché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut toucher cet abruti? Oh, c'est quoi, en fait, y'en a marre. Ah, bateau de transport, venez. Ah, toi tu t'es approché par contre. Oh. Ah, survie. Ah, vie mortelle. C'est tellement le Ragnaros de la lumière. Ah, vivez, insecte. Même les paladins entre eux sont énervés. Hop, vous continuez à faire du carnage de ce côté-là. Vous le faites bien. Ah,
Ah, dégage, tu gênes. Arrête de fuir. Meurs. Et toi aussi. Les gars, il paraît que si on reste paqué, on a plus de chances de survivre. Oh, il esquive tout avec son cheval. Niquez-lui sa mère. Et donc la horde a gagné. Non, il faut que je fasse quoi? C'est vrai, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Construire une forteresse, un chantier naval sur l'île située. Carrément. Carrément, carrément, c'est précis comme objectif. Hein. Il me faut deux péons. Deux péons nobles et dévoués à leur cause. À continuer d'avancer. Voilà, c'est bon. Donc une forteresse. Tac. Et je te ferai 10 000 chantiers navals si tu veux. Allez. Ah. Ah, nos orques meurent, mais ne se rendent pas. En fait, si. Ils meurent et ils se rendent. Sauf que là, on en a un peu marre. On va envoyer toutes nos unités s'occuper du rasage complet dès l'heure. Et il reste un peu de place dans l'autre bateau. Vous inquiétez pas. Ah, venez. Hop, le zigzag. Zigzag entre bateaux de guerre. Eh ben. Attends, tu veux me dire qu'il y a une autre base militaire qui en fait sortir aussi? Parce que là, c'est pas possible qu'ils en sortent aussi vite que ça. Ah non, c'est juste qu'il y en a beaucoup. Aïe, oui. Et là, ils ont fait l'erreur de se paquer. Là, c'est bon, on améliore en place forte. On va construire des choses pour rendre joli. Allez, ça ici, on va construire une forge pour faire genre, voilà, on est un peuple guerrier qui construisons des armures et tout, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est juste la fin de l'épisode. Dès qu'on a fait ça, qu'on a vu le début, on va arrêter puisque là, c'est pas très intéressant. Je m'en excuse d'avoir fait un... Enfin, pas d'avoir fait, mais que cet épisode ne soit pas forcément très intéressant. On a juste roulé sur des pauvres humains qui ne demandaient rien. C'est vous le chef, capitaine. Toi, qu'est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu fais là? Là, un pixel noir qu'on n'a pas vu. Je veux le voir. Et toi, en plus, c'est juste à côté, t'es le plus rapide. Fonce, pile poil, fidèle destrier. Oui. C'est bon. C'est bon. En forteresse, c'est bien ça. On a construit ça. Une série, ça sert à rien, c'est pas logique. Quelques fermes. Par-ci, par-là. Ainsi que l'hôtel de l'orage, évidemment. Et donc voilà, on a gagné normalement. On aura fini. Donc là c'était un peu mission de remplissage parce qu'il n'y a pas de grosse histoire dessus quoi. Parce que oui, il y a les humains de Kul Tiras
et Gul'dan et les orques qui poursuivent Gul'dan qui se battent en chemin. Donc voilà, la forteresse est faite. Donc voilà, on a gagné. Ah, padada, ça a mis du temps, hein. Rank Captain. À Stratholm. Et donc provient la majeure partie des ressources pétrolières de l'Alliance. On s'apprête à livrer d'énormes quantités de matières premières aux royaumes situés à l'ouest de l'Ordéron. Saboter leurs raffineries et les plateformes pour empêcher cette livraison, telle est votre mission. Une fois Stratholm mise hors d'état d'extraire ou de transformer du pétrole, laissez libre cours à vos instincts et brisez tout effort de résistance opposé par l'Alliance. Alors ça, je me souviens plus, mais ouais, je crois qu'il me semble qu'il y a la destruction de Stratholm par les orques. Je n'en suis pas sûr et j'ai peur de... Ah, voilà. Attendez, c'est quoi ces voix? Quoi? Salut! D'accord? Ah oui, c'est vrai. Et voilà, j'ai perdu. Je peux plus avancer. Non, en plus, je crois que j'ai vraiment perdu. Oui, on passe vraiment pas. Ah, j'ai tout niqué. Ah, je vous dis à la prochaine. J'en ai marre, ça m'a saoulé cet épisode. Je suis désolé si c'était pas super passionnant à regarder, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce bleu et à partager. Si vous n'êtes pas content, dites-le quand même. J'écouterai, je lirai vos commentaires et je vous répondrai. Et sinon, bah, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Au revoir à tous. Salut.